Alors que la saison 2 des 50 est actuellement diffusée sur W9, l'un des candidats, Bastos, a accordé une interview à Darko sur YouTube. Il a alors descendu Moundir, qu'il a connu sur le tournage des Apprentis Aventuriers. Moundir a parcouru bien du chemin depuis sa participation à la saison 3 de Koh-Lanta en 2003. Depuis la rentrée, il est chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur C8. Une nouvelle responsabilité qui lui permet de gagner pas moins de 1000 euros en facture par émission, comme il l'avait confié la semaine dernière à Jordan Deluxe. Son contrat court jusqu'en décembre, avec 2 interventions minimum garanties par semaine. Avant de rejoindre la bande de Cyril Hanouna, le candidat de télé-réalité a connu d'autres aventures professionnelles. Il a notamment présenté Moundir et les Apprentis Aventuriers sur W9, avant d'être remplacé par Laurent Mestret. Dans le cadre de cette émission, il a côtoyé Bastos, actuel candidat de l'émission Les 50. Dans une vidéo publiée le 17 septembre sur la chaîne YouTube de Darko, ce dernier n'a pas hésité à le descendre. Je pense que Moundir est devenu célèbre pour les mauvaises raisons. Il s'est comporté de manière odieuse pendant ses tournages de Koh-Lanta, en mode tiens ta femme, a-t-il déclaré. Bastos ne respecte pas Moundir si est-ce un mec un peu misogyne qui n'a pas du tout été apprécié mais qui a buzzé comme ça et qui derrière est devenu célèbre grâce à ces choses-là, a poursuivi Bastos, avant de revenir sur sa mésentente avec Moundir sur le tournage des Apprentis Aventuriers, si est-ce un peu un gorille agressif qui s'impose par la force. Ce sont un peu mes jouets ces gens-là, je l'ai un peu provoqué. Selon ses propos, Moundir avait fini par venir vers lui après son départ de W9, parce qu'il était un peu dans la merde. Cependant, Bastos n'a pas changé d'avis sur le présentateur et chroniqueur. Moundir est un gars que je n'estime pas, si est-il un cas social. Si est-il un gars que je ne respecte pas, a-t-il conclu. Des propos cash auxquels l'intéressé répondra certainement.